Rebonjour à tout le monde. Deuxième partition, la valse mexicaine. Justement, tu connais la valse, Margot? Oui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Très facile. Sauf que les Mexicains, eux, la dansent encore plus vite. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, c'est ni la valse populaire qu'on a ici. Pardon? Ah non, non, mais ça, c'est... Les Mexicains dansent parce que eux... Mais comment on fait, alors? Alors, eux, ils dansent, en fait, en faisant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est presque du hip-hop, hein, d'accord? Hop! Hop, d'accord. Donc il faut qu'on ait cette pulsation qui avance et qui surtout ne fasse pas traîner le danseur, on est d'accord? C'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà, ça c'est le tempo. Avec ça, on a mis trois petites voix. La première, c'est la caisse claire. Margot, tu continues, c'est toi qui fais le tempo, on s'arrête pas jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deuxième partie, on va mettre ça sur un instrument qu'on appelle un tom. Pas besoin de cercle, d'accord? Un tom, c'est ça. Attention, pas trop vite. Pi, pop, pop, pi, pi. Alors, ti, to, 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 ti, to, to, hey, ti, to, 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 ti, to, to, hey. On y va. Voilà, on le ralentit un peu pour qu'il puisse apprendre la partition par cœur. 2, 3, ti, to, to, hey. Sur le cercle, on joue sur le fût, on peut agrémenter la partition en jouant sur la peau plutôt que de jouer sur le cercle. Ça donne une autre mélodie de timbre. On va essayer. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ok. La dernière partition, un tom encore un peu plus grave, donc on peut faire un quatuor du coup de peau. Ouais. Ça, quatuor de peau, ça marche pour toi? Oui. On continue avec cette basse. Je continue toujours pareil. Exactement. Et moi, je fais la partie. Troisième partie, tom grave. Ti, ti, to, ti, ti, to, ti, ti, to, to. Alors, pour ceux qui sont fans de solfège, excusez-moi, de formation musicale. Pas beaucoup, tu crois? Si, j'en suis sûr. J'en suis sûr. La troisième partie, on peut la faire en 6-8 plutôt que la faire en 3-4. Aïe, aïe, aïe. Équivalence. 6-8, 3-4. Tu connais ça, Margot? On appelle ça une émiole, pour ceux qui veulent savoir. Que c'est un 6-8, un 3-4, la plus grande émiole, la plus connue, c'est celle de... Je sais pas. West Side Story. Ah oui, aïe, aïe, aïe. Yapata, yapata, pam, pam, pam. Yapata, pata, pam, 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 pam. Ça, c'est une émiole, 6-8, 3-4. Ici, la quatrième voix, c'est justement en 6-8. Alors, titico, 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 con, titico, 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 con, titico, 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 1, 2, 3, 2, 2, 3. Rendez-vous le 21 juin pour faire toutes ces petites musiques. Salut à tout le monde.